ne faites pas comme cette jeune personne. Ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Pensez à vos vacances. Préparez-les soigneusement. Très important, les vacances. C'est le moment tant attendu. Vous fuyant l'horripilante promiscuité des métropoles, vous pourrez goûter l'incomparable joie de fouler le sable fin des plages. Mais pour que votre plaisir ne soit en rien terni, choisissez avant tout un hôtel accueillant. Je suis à votre service, monsieur. Vous pouvez vous servir de moi. Vous auriez tort de vous priver. Quand un petit déjeuner, c'est moi qui s'en occupe. Il suffit de sonner et voilà, je suis là. Heureusement qu'il est sur le guide, celui-là, parce qu'il mérite un détour. Maintenant que votre choix est fait, mettez le contact et hop! Ah, vacherie, de vacherie, de vacherie! Putain de vacances! Une fois sur place, pour peu que vous sachiez vous y prendre, vous apercevrez vite que les occasions de lier connaissance ne manquent pas. Vous savez pas s'il y a des excursions à faire dans la région? Adressez-vous au syndicat d'initiative. Monsieur n'a plus envie de moi? Mais tout de même, il n'y a pas qu'elle. Moi aussi, je suis un personnage. Et quel personnage? Je n'ai jamais été mariée. Je suis une vieille fille. Je m'appelle Vika, Vika Montero. Pasteur Henri-Jacques Monod, professeur de théologie appliquée. Vous baignez pas? Non. Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Elle est bonne? Oui, 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 oui. Mais. Qu'est-ce qui se passe? Ha 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 ha